Allô? Allô? Alors, je sais pas si vous nous entendez, peut-être dans quelques frames de drop, mais explique ce qui se passe. Explique, c'est pas ta faute. Tonton, explique. Je prends le micro ce soir, c'est pour dénoncer l'ignominie. Viens chez Gaming Live, tu verras, c'est du bon matos. Si au gaming nous voyez. Si au gaming nous voyez. Ouais, on a des gros problèmes de connexion. Je sais pas ce qu'on va faire. Tu drops à l'infini. Je sais pas quoi faire, hein, tonton. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a assez pour faire une petite webcam. Tu fais des blagues, t'as Voici là, peut-être des voici. blagues de Toto. Ouais, Alors c'est raconte. infini. Bon, c'est Toto qui veut acheter des carottes. Ou alors tu leur mets que des pubs pendant que le stream drop à l'infini, puis peut peut-être t'avoir quelque chose, non? Viens chez Gaming Live. Tu verras, c'est du bon matos. On a une connexion de FDP. C'est quoi déjà? C'est la fibre, c'est ça? Non, c'est la team. La team? Oui, la team FDP. Ah. Comme tu peux voir. Non, la fibre Non, bah toutes nos artistique. connexions ont brûlé aujourd'hui. Donc Orange, Bouygues, là on est sur Mais c'est Bouygues. pas de ma faute, tu peux le dire. Ça n'est pas. Voilà, Tu n'as pas fait l'homme blanc a brûler. parlé. Ça n'est pas. C'est entièrement de la faute de Frédéric Gau. Ah ouais? Ouais. Bah peut-être alors. Il n'a pas su résoudre le problème. Voilà, mais j'étais prêt à l'heure. Non. Bah si! Bah si, j'étais prêt à l'heure! Bah disons à l'heure où ESA a lâché le stream. Voilà. Alors où est ça a lâché le stream. Tu étais prêt. J'étais prêt. Mais on peut en J'étais avoir là, là, le je pense gars. que de toute façon ça ne sert à rien. Les gens ne nous entendent pas, à mon avis, ne nous voient pas. Donc bah vas-y, fais rire parce que les gens sont là pour rigoler. Donc Bah il nous voit pas, t'as dit. non mais fais pas lecture déjà que ça drop à l'infini. Je peux faire Voilà. lecture, moi, Attends, je... on va essayer de baisser quand même parce que là. Oh là là. Un petit 600. Stream qualité malgache. Est-ce qu'on drop encore à 600? À 600? On drop encore, hein. Y a rien à faire, la connexion est morte. Bon, dis-leur que tu les revois vendredi avec une connexion qui marche. Un drop dans le guac. Et on qu'on met plein de pubs du coup pour nous excuser. Ah ouais, c'est ça marche ça, tu Bien crois? sûr. Il y a déjà eu une jurisprudence. Mister MV l'a fait. Ah bah je veux pas le faire alors. C'est pas toi qui copie Mister MV Non, normalement? c'est l'inverse. Ah C'est d'accord! l'inverse, c'est oui. Parce que moi j'ai cru, parce que j'ai regardé sur le Twitter de Mister MV. Ouais, Ouais, et c'est il avait ça. plein de bonnes idées que tu l'as repris, j'avais eu l'impression. Ah ouais? Ouais. C'est un En fou fait, c'est ça. l'inverse. C'est ça. D'ailleurs, je l'attends toujours en défi karaoké. C'est vrai. C'est vrai. Ah, un drop de frame détecté. Le logiciel nous informe que ça ne marche pas. Il n'y a rien à faire. Bon, bah voilà. Pourquoi un vautour? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut voir les réactions sur le chat. Hein, un chat aimant. Voilà, donc tu peux discuter avec eux. On va faire une... Voilà, ils t'adorent, tu vois. Regarde, ils sont là. On peut même pas Scrabble nous, de toute façon, ça drop par l'infini. Donc, t'as l'air déprimé. Parce qu'il faut savoir que tu es là depuis 18 heures. Non, 20h. 20h, 20 heures. j'étais au dojo, au Versus Dojo avant. Ouais. Bon, je pense que. Est-ce que tu penses que Exerve ferait mieux? Exerve, lui, il est sur YouTube, donc c'est plus facile, c'est en différé. Comme Squeezie? Voilà. D'où montage saccadé et tout. Mais dans la vraie vie, je leur mets 20-0. C'est vrai. Du tac au tac, comme ça. C'est vrai. Bon, bah. Fais rire. Faut que tu fasses rire parce que les gens ont envie de rire. Ils ont passé une journée de J'ai merde. envie de pleurer. J'ai envie de Fais pleurer les toutes les rire, larmes de mon démonte-toi, je sais corps. pas. Fais ce que tu peux. Bon, je vais essayer de lancer un jeu, hein, moi, nique sa mère, la réinsertion, comme on dit. Conditions des plus malgaches, des plus bonobesques. Alors, j'avais préparé l'allusion, putain, ça me bouffe ça. Plus tu prépares, plus tu l'as dans l'ionf, mon gars. C'est ça. Faut jamais préparer, ne jamais préparer. Ça drop un peu là. Ça drop, mais pas assez encore. Attends, je vais le faire dropper, moi.
ce fils de lâche. J'envoie le jeu que j'avais préparé. Avec un son des plus dithyrambiques, à mon avis, faut baisser un peu le son. Il me casse la tête, le son. Voilà. Voilà. Un petit peu plus près des étoiles. Voilà. Le son ne drop pas. Ça marche ou ça marche pas? Alors qu'on est 974 spectateurs. OT, comment il est? Hein, vieux. C'est pas plus mal que ça, drop. Ça drop plus, c'est normal. L'écran est fixe. Alors, comment on fait déjà? Bim. Voilà. Alors, faut que je mette I'm new. Alors, ce soir, Amazing World. Donc, bien sûr, faut oublier GTA. Hein, tous les aficionados de GTA, c'est mort. Parce que, en fait, le PC où je stream actuellement n'est pas disponible pour des raisons. Pour des raisons de là-bas, il joue à Street Fighter. Où le tout se fait sûrement lavementer d'ailleurs. Et donc, il faut leur défi sur le PC où je stream d'habitude. Et en plus de ça, la connexion, comme vous l'a expliqué Johan Verdier, a été schnapsée. Donc, j'ai full la baise en fait. Bon, je vais mettre Time New. Hop, émission préparée, puisque sur Steam, j'ai tapé Bac à sable gratuit. Je suis tombé sur ce jeu, ainsi qu'un autre, des plus maléfiques aussi. Encore un jeu de merde, c'est possible. C'est possible. Alors, est-ce qu'on peut jouer à la manette ou pas? Donc, absolument pas. Très bien. On peut pas jouer non plus, ça se joue à la souris. Alors, je vais select un zing. Une préférence pour le zing. Si vous arrivez à voir quelque chose. Je pense que ça doit bien faire dropper, ça, de faire ça, d'ailleurs. Je sais pas. La vache, on me dit, c'est l'un de ton zing. Mais oui, il faut jouer des jeux mignons. La vache, j'avoue que la vache, c'est pas mal, hein. La vache, je sais pas, non, c'est pas un jeu de pédophile tout de suite, ce sont des animaux à la limite zoophiles. Donc la vache à l'unanimité, hein. Zinc vache. Bon, très bien. Ouf, on peut la mettre en short ou pas? Petit t-shirt. Oh, la vache torse nu, hein. Alors est-ce que c'est un short ou pas? C'est... Oh, tout nu, vite, vite, rhabillé là. Oh là là, c'est dégueulasse. Ouah, c'est quoi ça? Oh non, pas nu. Le halouf. Ah, la vache est en short. Je pense qu'elle est en short, là. Je suis pas sûr. Bon, on va pas mettre ses gougouttes à l'air, quand même. Bon, je pense que je vais prendre le t-shirt vert du guac. Hein. Y a pas un petit rose... rose. Pourquoi ça? Il a un baggy short ou quoi? Bon, vas-y, on va prendre le baggy short. Hein. Au moins que ce soit une robe. Je sais pas. Bon, on verra bien. Enter un nom. Alors, un nom, vite. Un nom. Un nom, bordel de chiasse. Un nom. Un nom. Vache de Moldavie. C'est pas un nom, ça. Un nom. Il y a le slip de Zangief. Hein, je sais pas. On s'en fout. Pourquoi tu fais que des jeux de merde karaté? Je sais pas, parce que je ne peux pas faire les jeux bien. Je ne suis pas aidé. Le matos me... Full camp. Alors, Chias, Josiane, Jean-Pierre, le Canadien. Oh merde, putain, le truc s'est barré. Josiane, appelle-toi, ça coûtait. Bon, je pense que je vais mettre Josiane. Hein, Josiane. J'ai cru voir Josiane. En grand fan de Josiane. Anal Gaming. Carole Cool, j'avoue, ça se jouait. Hein. Tu madre. Ah, tu madre, c'est pas mal. C'est comme tu m'adore. Valérie Davido. Mizu. Je sais pas qui est Mizu.
me l'aller. Ah, Mizu, d'accord. Oh, Mizu. Ah, Mizu, c'est pas une vache. Donne. Allez, Josiane. Hey, you. Alors, c'est Wazd. Donc, ça, c'est d'accord. Ah, faut que je joue en gaucher parce que je suis gaucher. Voilà. Oh là là, ça a l'air mignon tout plein. Regardez comme on a envie de gambader avec eux. Ouh. Ah, il se passe, c'est sauter, hein. Bah, c'est à quoi la souris? La souris ne sert absolument à rien. Très bien. Est-ce que je peux me suicider, là, si j'en ai marre de la vie de vache? Non, on peut pas se suicider. Ah! My name's Bloom. Yeah, Josiane. What's your family name? Alors, faut piffer un truc. String. D'accord, string. Déjà, ça, c'est la base. Alors, string quoi? Un string de rue? Ça doit gratter, ça. Coff. Coff, il. Drugrust. Oh, là, ça veut rien dire. Putain, on a pas moyen de faire des mots. Ricuf. Ricuf. Un string. Ah, on peut faire string riquin. String riquin. La short. Un string, c'est la short. String panthère. String riquin. Je sais pas, est-ce qu'on a mieux à proposer? Anquin, non. Antim, Antoma. Healer, cuf. Cuf. Cuf, cuf. Rick. Rick, ça cuf. Ça cuf. Non. Dru, druquin, non. Riquin, je pense que c'est le mieux. Hein. Ricuf, ritim, riguste. Ridim. Antiguidim. Bon, on va s'appeler stream, string riquin. Voilà, le string des États-Unis. C'est bon, on me parle pas. Moi, je suis pas ton pote, moi. Moi, tu me connais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le but du jeu? T'as la meuf, elle remplit le crâne, mais lâche-moi, elle me poursuit en plus. Oh, le bateau est super safe, apparemment. Enfin, le vaisseau. Ah, faut aller là-bas. J'espère que c'est un regardable pour vous, hein, sinon ça n'a aucun espèce d'intérêt. Mais faut aller où? Putain, la meuf, elle est tarée, elle parle toute seule. Faut conduire le bateau? Faut faire quoi? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais aidez-moi! Vous qui avez dosé le jeu des années durant. Oh là là, ça sent la mort dans le tuto. Déjà. Bon, on va aller voir celle qui remplit le crâne. D'accord, il faut sauter et aller regarder dans le télescope. Voilà, regardez comment ça a l'air mignon. Ah, apparemment, on drop, nous dit Xsplit. Tadaron, Xsplit. Ah. Merde. Ah là là, il y a des méchants qui arrivent. Ah, c'est les Nyx, les méchants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est des Nyx, ça. Ah, juste on les touche et ils s'en vont. Mais c'est quoi ces vieilles racailles? Tu les touches et ils s'en vont. D'accord, ok. Les mecs, ils savaient pas faire une anime de tapementage. Ça veut rien dire. Où c'est qu'il reste un X, là? Un X amer. Est-ce qu'il est amer? Hop. Il en reste un encore. Va-t'en. Je t'ai touché. Oh là là! Surprise, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle que ce jeu est gratuit sur Steam, hein. Ta meuf, elle s'arrête jamais de parler. Ah, oh, c'est le méchant, à tous les coups, c'est le méchant qui est pas gentil. Oh, le jeu, il remplit le crâne.
Vas-y, ta daronne. Oh, il n'y a pas moyen de zapper. Ah si, il y a un skip, là. Allez, skip. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il casse tout, oh là là. Ah, on s'en va. On abandonne le bateau. Ah là 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 là. Bon, vas-y, skip là. Ah bah voilà. Username. Username, oui, tout à fait. C'était quoi on avait dit? Josiane. Josiane, bon, Josiane. Hein. J'espère que personne me volera mon compte. Et qui va galérer pour aller voler le compte. Josiane. Josiane. Parents email. Ah, faut que je mette l'email de mes parents. Alors, tonton, tu fais quoi? Bah, il faut que je... On fait la vache, là. On a failli l'appeler Mizou, d'ailleurs. Bah, appelle-la Mizou, tu sais. Mon père, il me surnommait Grosse Vache quand j'étais petite. Ah bon? Ouais, c'est pas cool. Bah, c'est pas cool. Mais c'est vrai, en même temps. Je sais pas. Tu sais pas. Ouais, là, c'est une vache roucmoute, hein. Josiane. Il faut que je mette l'email de mes parents. T'as l'email de mes parents? J'ai pas l'email de mes parents. Attends, Papa et maman karaté d'autres @gmail.com. Attends. Je vais bien trouver. Tiens, je vais. Ouais, l'email de Tech, tiens. Eh oui, j'ai les cartes des mecs de eLive, je les collectionne. De eLive, j'ai dit. De Gaming Live. Tiens, on va mettre Tech. Allez, gratuit. Il recevra des mails de cette chiasse. Tech Gaming Live. Je sais pas, il demande l'email de mes parents. Putain, t'es tellement en train de dropper une frame sur deux, c'est tellement dégueulasse. Bah oui, bah c'est de la merde. Ah ouais. Mais c'est les streams à karaté, ça, je t'ai dit, lui, il fait jamais rien de sérieux. Tu donnes le truc de Tech? Bah oui. C'est Tech ou Taek? C'est Taek. Comme t'as dit là. Mais c'est bon, ça passe. Ah oh oui, ça passe. Ça a l'air d'être le meilleur jeu guac à sable de l'histoire. On va aller juste chercher bac à sable gratuit. Ah, c'est bon, c'est passé. Oh, sur putain, Steam. Ça a l'air bon, hein. Bah oui, c'est bon, hein. Oh, regarde, on vole déjà. Ah, ouais, ça a l'air très très bien. Ça a l'air très 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 bien. Ça a l'air même trop bien, je pense. Balance le numéro de téléphone. Bah, vous pouvez le voir, hein, si vous regardez bien. Je sais pas. Alors. Le mec, ils vont appeler Taek à cette heure-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a le jeu. Voilà. Bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça raconte, là? Ah oh là là, tant de suspense. En fait, ils ont essayé de faire un genre de Animal Crossing, quoi. Ah ouais, mais bah, la maison, il n'y a rien, hein, franchement. La maison, elle est à la zop totale. Je tourne, là, mais ça sert à rien de tourner, ouais. Ça sert à rien de tourner avec ça. Vas-y, ouvre-toi, là, la porte. Comment on ouvre la porte? Faut cliquer. Oh là là, ça y est, je suis bloqué dans la maison. Ah non, faut cliquer, hein, c'est ça. Ouais, faut cliquer. Très important de savoir cliquer. Voilà, c'est l'heure des pubs. Ah, on va attendre un peu quand même. C'est bon, parle bien. Ça pisse le sang de bons sentiments quand même, c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouvre là! Oh là 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 là, je peux pas. Il y a un chat, genre on sera 20 000 en ligne. N'hésitez pas à rejoindre la partie, hein, les amis. Ah! Ce jeu a l'air d'avoir un intérêt assez grandissant. Ah, je peux pas aller là, il y a une sorte de mur de paillettes interdit. D'accord, ok, très bien. Ah ouais. Unlock this area by completing Meat Draper. Mais c'est où qu'on est libre de tout baiser alors?
Ah, là aussi, il faut unlock. Oh là là, le sale jeu. Rien n'est gratuit. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, à se baisser? Oh là là, super play, hein. Je l'évite. Oh là là. On va tenter le OOT, là, ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Oh là là, superbe raccourci réussi. Là, on vient de gagner quelques frames. Putain, mais il n'y a rien à faire dans le jeu, c'est chaud. Ah si, ça fait plouf. Ça fait plouf plouf quand on marche dans l'eau. Voilà. Je pense qu'il doit avoir du PVP, hein. Moi je me tape, hein. C'est la maison où j'ai été, ça, déjà. Il n'y a qu'une maison, en fait. Ouais, on est content, on est rentré dans la maison vide. D'accord, très bien, je ressors. Petit loading, hein, qui n'est pas... qui n'est pas du tout relou. Ah, m'a donné des fleurs pour décorer chez moi. Mais c'est ça qu'il me fallait, putain. Bah ouais. C'est là chez moi. Oui, welcome home, il y a écrit. Bah vas-y, rentre, grosse vache, va. Oh là 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 là. Putain, mais quel alcoolique cette vache. Ah non. Ah non, il y a un mec qui est arrivé. Ah d'accord, faut lui parler à lui. Ah non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, j'ai fait peur à la bestiole. J'ai gagné des fleurs. C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Ah non, faut faut dégager les mecs du truc. Oh là 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 là, que d'aventure quand même, hein. On est peu de choses. Hop là. Ah, le jeu, il donne envie de tout baiser dans Paname. Bim. Retourne to Bloom. Alors elle, c'est elle, la sœur d'Orlando Bloom. Voilà. C'est bon là, j'ai fait ton truc de chiasse. Ouah. Téléporto. Ouais, c'est le pire jeu de l'histoire. Hein? Use. Et donc? Qu'est-ce que je fais là maintenant que j'ai des fleurs? Non. Faut les mettre dans la maison. Je enlève moi le bloc si t'enlèves le haut. Mais je peux pas, je lui ai déjà mis le haut à la vache. Alors, est-ce qu'on peut... décorer la maison. You can drop that yard item in the... Bah oui, c'est logique. Putain, elle m'avait dit que j'avais des fleurs pour décorer chez moi. Putain, on ment même aux enfants. Vas-y, sors. Comment ça me ZF, elle aussi. Je suis sûr que ça drop pas sur les autres strips, c'est possible. Bah, ils sont où, mes fleurs? Ah, j'ai perdu mes fleurs. Ah non, elles sont là. Bah, alors, je vais les mettre là. Voilà. Et alors, qui c'est qui a un beau truc fleuri, maintenant? Hein? Ah, on l'entend moins, votre petite gueule. Hop, merde. Qu'est-ce que... Oui. Bah, c'est bon, là. C'est fleuri, là. Donne. Voilà. Hey. Alors, on peut cueillir les fleurs ou pas? Moi, j'ai ajouté des fleurs. Des fleurs mauves. Ça doit être de la lavande. J'accepte tout de ce que tu dis. Oh, cette bedaine. Ça doit bien manger à la cantine, comme on dit. Oh, ce boule. Ah, on va avoir le droit d'aller dans la truc interdit. Qu'est-ce qui se passe? If you want to earn it, then you need the pass. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah oui, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, les bâtards! Maintenant, faut payer. Oh, les chiens de poubelle! Oh, les chiens de poubelle! Maintenant, faut payer.
Bon bah c'est là où s'arrête le jeu pour nous, je pense, les amis. Il est hors de question de dépenser un sou dans une telle chiasse. Putain, bon bah j'ai au moins fait des fleurs gratuites. C'est violent. Putain, c'est violent. Maintenant faut payer. Regarde là avec son petit air innocent qui dit de payer. Putain. Voilà. Hop. Ça, ça va écrire ou pas? Ah, ça écrit pas? Oh, j'ai été censuré. Censuré, je suis. Ça marche pas? Oh là là, ça marche même pas. Oh là 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 là. You have no message, dit Oula. Putain, on peut même pas parler. Putain. Mais parle là, ne serait-ce que putain. String Rica. Bon, bah voilà. Bon, je pense qu'on va envoyer les pubs. Vu la qualité de ce stream, qualité intrinsèque, et après, bien sûr, on revient avec un autre jeu, voilà, des nouvelles aventures. C'est où c'est ça. Allô, c'est fini les pubs. Le réseau Netesh. Est-ce que c'est fini les pubs? Le caca c'est délicieux. Boire son urine s'appelle l'amaroli. À des fins médicaux? À des fins médicales, non? Une fin, ouais. Médicale, pas médicaux. Donc, on en était où? Hop. Allô? M'entendez-vous? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui? Ça marche? Est-ce que tu es là? Tu es là? Oui? Non? Bon. J'imagine que ça marche un peu. Oui, on en était où? Julien, t'es où? Oui, on drop des frames, on sait, on sait. Donc on va quitter ce jeu de chiasse. Hop. Voilà, donc je remets le jeu. Hein. Donc vous voyez, back to the game. Hop. Exit, yes. Voilà, donc j'ai été très déçu. Si je devrais mettre une note, je dirais 12. Ah, les notes. Alors, oh là là. Bon, je lance un autre jeu, mais au pif total encore. Hein. C'est un jeu aussi pareil que j'ai pris tout à l'heure, hein, toujours dans la veine de préparer son émission. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Tori Bash. C'est censé être un bac à sable, vu qu'ils l'ont dit. Vu qu'ils l'ont dit sur Steam. Et Steam ne ment jamais, faut le savoir. Puisque je vous rappelle, j'ai cherché par le tag. Le tag. Ça se dit comme ça dans Steam. Hop. Dra. Donc j'ai cherché par le tag. Bac à sable gratuit. Et il y avait ça dedans, donc voilà. Oh là là, faut s'enregistrer. Oh là là. Oh, c'est relou. Bah, enregistre-nous. Identifiant. Oh putain.
Oh là là, faudra mettre le mail de Taek. Hein. J'encourage tout le monde, hein, si vous avez des sites à mettre de la merde dessus, n'hésitez pas, filez l'email de Taek. C'est la base. Alors, identifiant, comment ça s'appelle, je sais pas. On m'a appelé Tori Bash. Aucune espèce de originalité. Peut-être un nom d'identifiant. Ah merde. Hop, va-t'en toi. Ouais. Mode diaporama. Tori Bash, c'est sympa, mais c'est bac à sable comme mon cul. C'est possible là, c'est dans les bacs à sable on peut choper plein de saloperies. Hein. Je comprends pas qu'on laisse les enfants jouer là-dedans. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est. Hop. Tu vois. Je ne connais pas Yopmail. Yopmail? Bon, bah on va mettre Yopmail. Alors je sais pas c'est quoi Yopmail. Mot de passe Yopmail. Hop. Et le mot de passe de Taek. Le mot de passe, qu'est-ce que j'ai? Le comment ça? Le mail, hein, il est facultatif, mais il aime bien savoir ce qu'on fait, alors autant le mettre. Hein. Point fr, voilà, très bien. Créer. Cet identifiant est déjà utilisé. Très bien. Mais Exerve. On va mettre Exerve, mais je pense pas que ça marche. Hein. On va essayer. Exerve. Créer. Je sais pas. Signifiant est déjà utilisé. Non, Exerve, il a déjà joué à ce jeu. Respectez-le quand même. Je sais pas. Je sais pas. Appelto. On va essayer Appelto. C'est la base. Ah merde. Ah. Appelto. Appelto, ça passe partout. C'est vraiment... Créer. Oh là là, on est bloqué dans la création, quoi. Mais non, ils vont pas me dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Appelto qui a joué. Je ne veux pas y croire. Et il dit 999. Voilà. Appelto 999, t'es sérieux? Oh là là. Bon, bah, je crois qu'on va rester bloqué là. Appelto. Le salam Gizmo. Mais c'est violent, ça. Ça marche pas, hein. Mais ça ne marche pas. Moi, je vais faire ça. Hop. Ah, bah ouais, mais après, je serai dans la merde pour faire pareil. Alors, QSD, QSD, QSD. Là, quand même. Oh là là, non, mais il se fout de ma gueule. S'enregistrer. Moi, je sais pas. Hein. Je pense que ça se trouve, on ne peut plus s'enregistrer. Ça se trouve, on ne peut plus faire de nouveaux comptes. C'est possible, hein. Si le jeu est trop vieux, je sais pas. Blue Waffle 123. Blue Waffle. 1, 2, 3. Il va à l'Algérie. Votre gamin contient plus de 10 caractères. Bon, bah, 12 alors. Ah. Purée. 12. Créé. Ah, toujours. Hein. Créer. D'accord. Bon, bah, Blue Waffle tout court. Voilà, sans le E. Oh là là, moi, je crois qu'on peut plus y jouer, en fait. Hein. Non, il fait exprès, là. Faut que le mot de passe soit différent. Ah, tu crois? Non, dis où, là. Attends. Waffle 1, 2, 3. Et Blue Waffle? Ah bah oui, mais non, mais ça fait plus de 10 après. Attends. T'énerve pas. Appelto, alors je remets Appelto. Appelto, voilà. Et là, je vais mettre... je sais pas, je vais mettre Gaming Live. En mode suceur de schtroumpf. Gaming Live. Voilà, créer. Ah, ça a marché! Ah, ben voilà! Putain, le mec bloqué dans le tuto. Alors, est-ce qu'on joue à la manette? Est-ce qu'on joue au
joystick, je ne sais pas, continuer. Contrôler la caméra. La caméra, très bien. Très bien, on peut contrôler la caméra. Je sais pas quand. Donc, c'est pas la manette déjà qu'on joue. Elle est branchée, cette manette. Je sais pas pourquoi c'est un bac à sable, mais... voilà. S. Ouais. Oh, ce petit boule. Putain, le boule est à la fraise. Hein. Je vous prie de le noter, mais regardez-moi ce bubble butt. Hop, shift. Alors, shift. Et shift et quoi? Et ça fait... Oh là là, mais ce boule. Hop, voilà, très bien. À la fraise des bois. Hein. Et ben c'est bon, là, voilà, j'ai zoomé, j'ai fait des trucs et tout. Vas-y, laisse-moi maintenant. Ah, game. De quoi game? Game, game, game. Ah, shift machin, c'est bon, on a shifté, on a tout fait là. Qu'est-ce qu'il veut de plus dans sa vie? Hop, la suite. Bah je sais pas. Par tuto guac. Tuto guac et tuto guac et tout. Mais c'est bon là, j'ai fait le truc là, j'ai fait bouger la caméra. Voilà. Voilà, maintenez Maj et appuyez sur Z, ZS. Oh là là, Z, S. Z, Z évidemment qui doit pas être Z, voilà, vu que c'est un clavier AZERTY de ma chiasse. Voilà, voilà. File name. Cancel, putain, j'arrive à faire des trucs en bourrinant. Fais un clic gauche. Clic gauche. Clic gauche. Fais un clic gauche. Fais un clic gauche. Sur les articulations. Utilisez la roulette pour faire changer d'état. Voilà, tendre, contracte. Oh là, ça a l'air d'être un jeu... Oh là, ça a l'air d'être un jeu complètement fou. Bah, laisse-moi là, oh. Oh là là, le jeu a l'air complètement fou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne comprends rien. Faites un clic gauche sur les articulations, utilisez la roulette. Roulette, voilà. Hop. Et donc? Bah ça y est, j'ai fait clic gauche et roulette là. Ouais, on peut faire des mouvements circulatoires. Je comprends rien. Ah, oh, c'est chaud. C'est chaud, ma vie. Oh, le fessier gauche. Ah, ah, on dirait qu'il s'est fait... Il s'est pris un coup dans le boule. Ah, ah. Mais oui, et donc, quel est le but? Quel est l'intérêt? Voilà, fais un clic gauche sur les mains pour qu'elles agrippent l'adversaire. Main directe. Alors, je sais pas comment j'ai fait, pourquoi la main est en... Est en portugais. D'accord, la main est en portugais. On va savoir pourquoi. Très bien, il a une main portugaise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Main. Fais un clic gauche sur les mains pour qu'elles agrippent l'adversaire. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Ah, je me deviens fou. Bon, je pense qu'on va pas jouer, frère. Il est aveugle, il voit pas le bouton continuer ou bien... Si, je l'ai vu, le bouton continuer. Ah bah voilà. W, X... Ah, mais le W du clavier, c'est QWERTY. Voilà, il est là, le W. Voilà, appuyez sur C pour faire passer les... C, voilà, C. Très bien. Appuyez sur C pour faire passer les actions ou maintenu en mode ou en relaxé. Ouais, très bien, C, voilà. Hop, continuez. La barre d'espace, voilà, barre d'espace. Ah! Oh! Wouah! Oh, ce coup de pied dans la tête! Monsieur violent! Vous pouvez réaliser d'incroyables mouvements en combinant les mouvements de plusieurs articulations. Vous voyez ce ring par terre? C'est un ring de disqualification. Soyez disqualifié si votre corps touche par terre en premier. Ah, mais c'est de la lutte sénégalaise! C'est complètement la lutte sénégalaise. Mais moi je connais ça, moi ça me connaît. 10 ans de lutte sénégalaise derrière moi, hein. Juste là. Hein.
Attends, hop. Jouer en ligne. Bah, on va jouer en ligne. Il y a sûrement des gens qui jouent à ça. C'est connu. Hop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tutoriel entraînement de base. Oh là là, non, pas un tuto. On aurait quelques mouvements de combat. Ouah, qu'est-ce qu'il a fait? On sait, vous allez mettre un coup de pied à votre adversaire. Appuyez sur C. C. C, c'est le C. C, c'est quoi? C. 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 Le pied, où il est le pied? Le pied, c'est pied ça? Hanche, poignet. Mais on voit pas le pied. Genou, genou, C. Cheville gauche. Ah, je comprends rien. Appuyez sur C pour maintenir tous vos intérieurs, puis cliquez sur votre genou gauche pour le tendre. Ah, mais va trouver le genou gauche aussi. Genou gauche, voilà. Bah, je clique là. Et donc, appuyez sur la barre d'espace pour exécuter le mouvement. Ah 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 oh, la goutte m'entense. Ah, le son est fort, hein. Le son est fort, je pense. Il a baissé un peu aussi, il m'a défoncé les oreilles. Joli coup de pied, merci. Essayons une autre attaque. Ouah, le coup de pied du scorpion. Le fameux. Et là, tenez vos deux jambes. Il y a un coup de pied adversaire. Quoi, c'est... qu'est-ce que c'est que ça, donc? C'est... tac. Non, c'est... tendre, tendre, tendre. Non, tendre, tendre. Tendre. Tratch! Dans la tête! Maintenant, baissez les deux épaules et relâchez vos mains. On peut faire ça. Ça, c'est les épaules. Alors, je fais... c'est, non. Ça. C'est, baissez, baissez, il a dit. Non, ça, c'est un coude. C'est quoi? Ça, c'est une épaule. Ah, c'est le pec. Épaule. Épaule quoi? Épaule quoi? Épaule. Relaxez. Relaxez. Et lâchez vos mains. Grab, je dégrabe. Alors, je dégrabe. La main, elle est où, la main? La main, pour te dégraber, dégrabe-toi. Dégrabe-toi. On va pas se dégraber. C'est comment on dégrabe? Oh là là, t'as Daron en short. Et lâcher les mains. Lecture, non, ça marche pas. Ah, mais dégrabe, là. Dégrabataire. Oh là là, je sais pas faire. C'est, j'ai appuyé C, Nalchetan. Ce strip de l'angoisse. Bon, bah je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Des breaks. Bah attends, je vais y arriver. Y a pas de raison que j'y arrive pas. J'ai appuyé. Voilà, ça m'a fatigué à dos. Ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué. Baisse les épaules, putain. La molette. La molette, voilà. Mais faut dire ça avant, la molette aussi. Putain, c'était la molette. Oh là 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 là. Mais j'ai oublié, moi, déjà. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Appuie sur barre d'espace. C'est des appelto. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va lui faire, là? J'ai peur. Mais qu'est-ce qu'il faut? Voilà, je m'assois. Je suis recroquevillé. Qu'est-ce que... dans la position du fœtus mort. Voilà. Je me mets dans la position du fœtus mort. Pourquoi vouloir se battre aussi tout le temps? Pourquoi vouloir taper l'autre, hein? L'autre n'est pas forcément mauvais. L'autre peut être ton ami. Tu n'es pas obligé de te taper l'autre. Tu n'as pas vaincu ton handicap. Ah, ah, putain. Putain, relaxez les épaules. Voilà, moi. Hop. Je relaxe. Relax. Oh. Hop, voilà. Recroquevillement. Barre d'espace et jointure de l'épaule droite. Appelle-toi Victoire. Oui, Victoire. J'ai rien compris.
Oh putain. Ce coup de la victoire. Ça veut rien dire. Hop. Hey, victoire. Victoire inéluctable. Ben, l'espace, nouveau combat. Et l'autre décède. Oh là là, putain. Il veut rien dire, le jeu. Alors, on va essayer de faire un mouvement. Un mouvement succinct. Relaxé. C. Là, ils avaient dit C. Là, c'est fini, les histoires de C. Bon, c'est la molette, alors. Molette. Molette. Oh là là. Hey. Coup de top, mon gars. Ah. Je me suis luxé une épaule, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Giclure de sang dans l'œil. Ah. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me décède, là. Ah. Ah. Mais pourquoi? Ah. Le sang coule à flot. Ah, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Oh là là, relaxé, épaule gauche, les... buste, les lombaires. Cheville droite, gauche, C, mimolette. Hop, fais un truc, là. Ah. Ah. Ça va dire... Il nous a claqué entre les pattes. Je sais pas. Ah. Le bruit... Le bruit veut rien dire. Bon bah, regardez, c'est pas ce nouveau combat. Nouveau combat. Si on lui met un coup de tête, comment on va faire ça? Hop, un coup de tête, C. Non, C, clic droit, clic gauche, C. Fais un truc comme ça, là. Oh. Non, non, mais il veut se... Ah. Non, te désengonce pas. Ah. 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 Qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait la chenille vietnamienne. Pourquoi tu fais ça? Reviens là. Reviens, reviens à toi. Oh là là. Ah, ah, ah. Ah. Coup de pied, coup de poing tournoyant. Hop. Ah. Ah là là. Oh là là. Ah. Putain, mais c'est impossible de jouer au jeu en fait. Mais pourquoi il veut forcément tomber à chaque fois? Il veut rien dire, le mouvement. Tiens, mets-lui une steak, là. Oh là là. Mais non, on ne te recroqueville pas. Non, il se recroqueville. Mais je sais que me recroqueviller aussi. Putain. Rasse à rasse. C'est trop dur. Ah, je tends le bras. Peut-être mettre un coup. Un coup, c'est molette, molette C, molette C, molette C, molesté. Ah, je me décède. La capoeira malgache. Ça va dire. Ah, il nous a claqué entre les pattes. Hein. Mais je. C'est impossible de se taper en fait dans le jeu. Mais en quoi c'est un bac à sable? On peut me le dire déjà? Contracter la hanche droite. Mais je veux mettre une steak, moi. C'est pas possible de mettre une patate. Mais tout de suite, il veut tomber. Et lui, on peut pas le négocier, non. Maintenir épaule droite. Ah, ah, ah non, ça y est. Oh là là, ça y est, il se décède. Oh. Oh. Oh, bah meurs. Meurs. Allonge-toi. C'est bon. J'en ai pas. Ça drop à l'infini. Oui, ça drop à l'infini. Internet est baisé ce soir, les amis. Ils m'ont tué Internet. Je ne sais pas quoi faire. Moi, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc, bah, si vous avez d'autres idées, je ne sais pas. On va regarder les tweets, tiens, d'ailleurs. Hein, alors regardons les caratweets. C'est juste cause 3 le jeu. J'espère que c'est irregardable pour vous. Voilà, quelques caratweets hein, qui font toujours plaisir, qui font chaud au cœur. Oh là là. Je sais pas, c'est drop. Bah oui, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, les amis aussi. Oh là là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, je ne sais pas quoi faire.
Moi, je propose hein, qu'on fasse ça comme à l'ancienne. Un bon vieux quiz. Dessiner la sculpture, créer des quiz. 23 quiz, voilà. Once upon a time, de Gracie, personnage du Seigneur des Anneaux, la garder. Tom Cruise au cinéma, Tom Cruise Brad Pitt, mais pourquoi Tom Cruise, on s'en fout de Tom Cruise. Sport, loisir, culture générale, quiz. Dites la couleur et non le mot. Ah non, ça c'est trop dur ça. Ça c'est trop dur, j'ai essayé une fois, j'ai jamais réussi. Alors voilà, hop, tape, hop. Ah là, ce sont un peu un guacassable. Ça drop tellement, les amis. Je vais virer ce jeu de chiasse qui nous empoisonne la vie. On repasse en 4 tiers. Regardez, moi je vais vous apprendre à streamer un petit peu. On rappelle que c'est des conditions exceptionnelles. Hein. D'habitude, le stream est très, très carré, très droit. Screen capture, c'est ça? Ouais, si, ouais, c'est ça. Bim, voilà. Hop. En grand, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Ça, c'est beau. C'est comme ça qu'on stream, on te dit. Voilà. Hop. Donc. Voilà, stream. Un stream. Les gars, le scrap, c'est pas la peine. Chaz, quand il joue, il n'y a plus aucun intérêt. C'est vrai que c'est dur. Faudrait qu'on trouve un moyen de jouer au Scrabble en anglais. Et on irait tuer les Anglais. Je pense à Hearthstone, j'avoue, Hearthstone, ça peut passer en lag. Stream carré, techniquement, pas dans son contenu. Pas. Car je ne sais pas. Mais en même temps, je pense que ça va de pair. Hein. Y a pas d'histoire. Je veux dire, le corps et l'esprit ne sont pas différenciés. Tout ça ne forme qu'un tout. Hein. Si l'esprit va, le corps va. Hein, j'ai envie de dire. Si la technique va, le contenu va. Hein, si le techniquement ça pue la merde, bah ça part un peu en couille aussi. Dans le contenu, c'est normal. Alors, voilà, ça c'est dur. Hein. Quelle couleur voyez-vous? Bleu, vert. Hop, s'il faut dire. Là, ça c'est rouge. Ça c'est violet, bah c'est pourri alors, faut dire là. Ça c'est jaune, noir, oh, elle fait me faire baiser. Hein. Beige, orange, rose, marron, blanc, mauve. Bah voilà, j'ai bon, voir les résultats. Bah j'ai tout bon. Ding d'Einstein, les gars. Le pire quiz de l'histoire. Bon. Dites la couleur et non le mot. Bah, c'est bon. Bah, je suis craqué, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme quiz? C'est la quiz. Faisons travailler notre cerveau. Ah. Un peu de boulot pour votre ciboulot. Oh, oh, oh. Voilà, faisons un peu de boulot. Alors. Quel est l'ami de la petite Maya l'abeille? Quoi? Quel ami de la petite Maya l'abeille est un escargot? Oh, alors là, je vais dire Shelby au pif. Parmi ces langues, laquelle est la langue officielle du Qatar? L'anglais, l'espagnol, l'arabe. Bah, c'est l'arabe au Qatar, j'imagine. Alors, comment représente-t-on l'or en chimie? Par le... ça doit être AU, tiens, parce qu'il y a un piège. Lequel de ces termes anglais n'est pas synonyme du désert? Une habité de désertide, bah hit, c'est-à-dire manger. Trouver l'unique émission série étant diffusée sur France 3. Plus belle la vie! Ça, je connais, je regarde. Hein. Faut regarder Plus belle la vie. Mais de quoi il parle celui-là? Alors, quelle princesse blonde passe son temps à perdre sa pantoufle? C'est Cendrillon, voyons, ça c'est tout le monde connaît. Laquelle de ces rôles est juste concernant la trisomie 21? Ah bon, comme ça. Si on l'a, cela signifie que l'on a 3 chromosomes 21. Si on ne l'a pas, ça signifie qu'on est malade. Hein?
On ne peut l'attraper qu'en Chine. Hein? C'est méchant pour les Chinois, ça. Alors, quelle est la nature de... Oh, oh, oh là 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 là. Alors, ça, c'est un truc de maths. Ça, c'était pour Verdier. Alors, les maths, moi, c'est très dur. Hein, surtout quand c'est abstrait comme ça. Quelle est la nature de F, X... C'est une ponction lombaire. Une fonction affine, une fonction linéaire. Fonction linéaire, tiens, ça a l'air bien, ça sonne français. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans cette phrase ? Un pour tous et tous pour un. Alors, un chiasme, contre-p, attelage. Ça sent le chiasme, ça, à plein nez. Laquelle de ces inventions est erronée, fausse, concernant le nombre 10 ? 10 représente une décennie. 10 est la moitié de son double. 10 est le quart de son triple. Ça, c'est faux, ça. C'est faux. Hop. 90 de bonnes réponses. Alors, les gars, on est là ou on n'est pas là? Affine. Ça sent le bac L. Ah, mais complètement bac L, hein, les gars. J'annule mes vacances en Chine. Il va faire un arrêt cérébral. C'est vrai, bientôt, hein, je pense. Allez, un autre quiz. Putain, on est quand même bien lancé là. Hein. Culture carophile en français. Sciences et nature. Sciences et nature. Animaux, montagne. Sciences, non. C'est pas terrible, terrible ça. Informatique, divertissement. Qu'est-ce que c'est dire? Celebrity People, cinéma. Oh, je suis là, moi, en cinéma. Ah ouais, Once Upon a Time, de Gracie. Retrouvez le titre du film. Ah, voilà. Retrouvons ensemble le titre du film. Ah, bac STG. Ça existe encore, ça. Dans ces immensités glacées, leur hydratation s'est écrasée dans un lac. Leur hydravion s'est écrasé dans un lac. Coûte que coûte. Ils doivent rejoindre leur base, mais un énorme prédateur rôde. Ces immensités glacées. Alors j'hésite entre à couteau tiré et ennemi. Je pense que c'est ennemi parce que à couteau tiré, ça se passe dans une. Ça se passe dans une forêt. Donc il n'y a pas des immensités glacées. Donc je pense que c'est ennemi. Je suis pas sûr. Échapper d'un lieu de sacrifice. Je sais pas. Que dit le chat? Les vrais vont direct au Pôle emploi. Voilà, ça connaît. Bac Zep, d'accord. Alors, échapper d'un lieu. Cet Amérindien improvise une serbacane et utilise le venin du grand pour tuer un de ses ennemis. Apocalypto, mission. Aguirre à la colère de Dieu. Alors là. Échapper d'un seul. Je ne sais pas. Mission, ça c'est le film avec. Avec De Niro, non? Oh là, c'est vieux. Aguirre à la colère de Dieu. Oh, je sais pas. Je puis ferai un apocalypto. Hein. Futé Edwige. Elle vient le chercher jusque dans sa chambre. Ah, c'est le monde de Narnia, ça. Moi, on me la fait pas. Dans ce film d'animation... Je peux enlever le casque, car on a vu qu'il n'y a plus aucun son. Un indien dans la ville. Dans ce film d'animation, il met les petits plats dans les grands. Oh, bah, sur Ratatouille, s'il te plaît. Capturé tout jeune, ils finiront par retrouver leur mère. Ses deux frères... Les tigres des marais. Rallongez-lui les crocs et vous le trouverez dans ce film où le jeune chasseur Dley le sauve de la mort. Tigre aux dents de sable, la guerre du feu, 10 000. Il fait un 10 000. Le loup attaque ses rennes, alors Sergueï les traque impitoyablement jusqu'au jour où il rencontre une louve et ses louveteaux. Alors là,
La grande traversée, mais au pif total. Il n'en finit pas de jouer à chat perché. Titieu Sylvestre. Il fait preuve de beaucoup d'autorité. La sorcière blanche, bof, même pas peur. Le monde de Narnia. Dans cette bande dessinée qui donne lieu à un film d'animation, il est adoré nos ans. Il est adoré de nos ancêtres. Potion qui sent dédite. Ça veut rien dire, ça. Hein, qui donne lieu à un film d'animation. Ah, c'est le sanglier. Ah, bah, c'est les 12 travaux d'Astérix. Allez, bim. Combien? 70. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce jeu de bac à sable. Ouais, c'est vrai que j'ai un bac à sable, moi, complètement. Non, je peux pas jouer au baccalauréat online, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Tous les acteurs sont décédés. Le bon titre. Un peu là. Intouchable, très peu d'indices. Retrouvez le film. Retrouvons le film. Oh là, ça me casse la tête, il y a trop à dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Action, actrice, hérité, États-Unis. Culte, non. Culture générale, hein, c'est le mieux encore. La culture G, la fameuse. Quelle heure il est, c'est pas l'heure de puber, là? Je pense. La langue française! Langue française, vu que ça fait les malins. La dictée la plus dure du monde. Alors, pour parler sans ambiguïté ou ambiguïté? Ah, voilà, moi je pense que c'est ça. Alors, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves... Un effluve ou une effluve? Oh là là. C'est un ou une effluve? Oh là là. Bizarrement, ça drop plus. Bah oui, il n'y a plus ça. Ambiguïté. Ambiguïté. Alors, bon, je pifferai. Il me semble que c'est un effluve. Plutôt qu'une effluve. Ah, je sais pas. Bon, je vais piffer ça. Malgré les vins de très bon cru, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil. Oh là 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 là. Cuisseau-cuisseau ou cuisseau-cuisseau? Alors, je serais d'avis de mettre celui-là. Au moins, on en aura un de bon de sûr. Mais un cuisseau, c'est un cuisseau. Alors, je pense que c'est celui-là parce qu'au moins, on en aura un bon de bon. Prodigué par l'amphitryon. Oh là là là. L'amphitryon. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi l'amphitryon? C'est une effluve tocard. C'est une effluve. Je suis pas si sûr, moi. Moi, je me souviens encore hier, je le disais. Un effluve m'a guiche le nez. Je le dis souvent. Amphinobie. Amphitryon. Je sais pas. Amphitryon ou l'amphi. Ça doit être comme dans phytoplancton. Donc, je pense que c'est celui-là. Voilà. Fut un vrai guépier, quel que soit. Et quelque exigu qu'ait pu paraître. Oh là là, exigu. Ah ouais, ça c'est le truc comme aigu, grave, ambiguïté. Ça, c'est, on sait jamais. Exigu, j'aurais dit ça, moi. Allez, on va piffer ça. À côté de la somme due, les arts qu'était censé avoir donné. Ah, ça c'est avec un H, par contre, ça je sais. La douanière et le marguillier. Le marguillier, oh, le marguillier. Il était infâme d'en vouloir pour cela, bien sûr. C'est avec un chapeau chinois. À ses fusillés,
Fusiller deux ailes ou pas deux ailes? Fusiller, sinon ça ferait fusiller. Deux ailes. Allez, bim. Pistou, bordel. Ah, les arts, on était d'accord. Ça connaît l'argent. Ça connaît l'argent. Et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leur corps légionnaire. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort. Oh là là, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. C'est comme quand on fait quoi que, c'est en un mot, quoi que. Que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissé entraîner à prendre un râteau et s'est cru obligé de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieillie. Ah bah c'est un omoplate, hein, quand même. Comment on me la fait pas. Deux alvéoles furent brisées. C'est un alvéole, alors là on me la fait pas. Je demande le genre courant du mot alvéole. Ah, cette précision à côté. C'est une alvéole ou c'est un alvéole? On est d'accord. Hein? Ça sent la mort en poule, là. Des professeurs de français sont morts pendant ce live. C'est possible. C'est possible. Eh mais je suis désolé, mais ça drop. La connexion internet ne permet pas d'assurer un stream décent. Alors je m'adapte. Le guac, c'est ça, c'est tu t'adaptes, gars, c'est le ghetto. Une omoplate et une alvéole aussi. Une. Non, je crois pas. Non, Josiane du 38. Non, fous pas le camp, s'il te plaît, ou je me fous en l'air. Alors, une dysenterie se déclara suivie d'une phthisie et l'imbécilité du malheureux s'accrut. Une dysenterie, ça doit être comme dans Disgaea, c'est ça. Allez, hop. Par Saint-Martin, quelle hémorragie ! S'écria ce bélitre. À cet événement saisissant, son goupillon... Ridicule excellent ce bagage. Goupillon, c'est comme ça. Il a poursuivi dans l'église tout entière. C'est l'église qui est tout entière. Allez, hop, voir le résultat. Eh, pas mal, hein, les gars. Respectez un peu les anciens. Est-ce qu'on peut voir la correction? Pour connaître les bonnes éditions, enregistrer... Oh là, faut se connecter à Facebook. 62% de réussite. C'est pas mal, hein? Non? Une dysenterie à tocard. Voilà, la div, c'est une alvéole et une omoplate. La tête de mal. On va vérifier, Yojda. Tu fais le mec. On vérifie. Et si c'est un omoplate, boulala, din, tu prends une tréha dès que je te retrouve. Alors, omoplate. Alors, du latin, nanana, mais ils disent pas le genre du truc. Citier, la clavicule, mais ils disent pas le genre, c'est un ou une. Ah là là, scapula. C'est un ou une. Ah là là, moi je suis sûr que c'est un omoplate. Hein. Alors, un omoplate. Ah voilà, la rousse, hein, notre nom féminin. Tu vois, c'est une omoplate. Putain, connard, va. Mais c'est un alvéole. Ah, voilà. Donc, t'auras le droit à une demi-patate. C'est un alvéole. Merci. Putain. Un alvéole. Que nous dit Larousse. Voilà. Non féminin. Mais non, mais tout non féminin. Ah non, regarde, non masculin selon l'académie. Ah, on écoute toujours l'académie. Une alvéole, je suis en médecine, je connais. Ça fait l'ancien. Mais, moi, je me fie toujours à l'académie. Hein. Et d'après l'académie, c'est un nom masculin. Donc, respecte l'académie, pauvre con. On va tailler.
Non, c'est les deux pour l'alvéole. Non, je pense qu'il faut respecter l'académie. Je pense que s'il y a une académie, c'est pas pour rien. Hein. Une alvéole en médecine et un alvéole. Hein. L'académie de Vitry, c'est ça. L'académie K de Champigny. Ça c'était un club, les gars. Ah, la langue française, c'est dur. Hein. Bon, moi, je vais envoyer un peu de pub. Parce que, quand même, je pense que ça le mérite. De toute façon, je pense que ça a planté ou quoi? Ça a planté, je sais même pas. Bon. On va envoyer des pubs et on revient. Au bout du slip. Si vous avez pitié des conditions dans lesquelles nous travaillons, enlevez Adblock. Allô? Est-ce que vous m'entendez? bon, je pense que la pub c'est fini là, je sais rien. Putain. Oui, c'est moi. Voilà, j'ai les clés, faut pas que j'oublie les clés. Pas j'oublie ma clé USB. Je vous cache pas qu'on est plus proche de la fin que du début. Je pense que cette émission restera dans les annales gaming comme une émission sauvage qui est apparue en quelque sorte. L'escroc de retour. Non, je vais pas rater le RER là. Je vais me barrer d'ici pas longtemps. Je pense juste le temps de faire un dernier petit quiz parce que je sens que ça c'est pas l'arnaque du tout. Voilà, donc je rappelle que cette émission est sponsorisée par quiz.biz. .biz. grand site. Donc sans plus attendre, les doigts dans les expressions puisque vous avez demandé à voilà, go poke. Ben oui, nous là. Alors, épouser une personne, c'est lui passer l'alliance au doigt, la bague au doigt, la chevalière au doigt. Bon, c'est la bague au doigt, ça va, tout le monde le sait. Hein. Alors, s'aventurer dans une situation inextricable dans laquelle on aura du mal à s'en sortir, c'est mettre le doigt dans un puits sans fion, sur le point de non-retour, dans l'engrenage. Ah, je pense que ça nous aide un peu, hein, l'image. C'est lui mettre la main au moule. Mais non, c'est pas ça. Dans l'engrenage. Nombre de sauts. Alors, se tromper grossièrement, se bercer d'illusions, c'est se fourrer le doigt dans les narines. Dans l'œil, au fond de la gorge. Non, au fond de la gorge, ça c'est quand on est boulémique, ça. Dans l'œil, c'est dans l'œil. Le doigt qui pue. Alors, être très proche d'obtenir un résultat, c'est tout connaître sur le bout des doigts. Être comme les 5 doigts de la main. Être à 2 doigts d'y parvenir. C'est à 2 doigts, hein. Bah oui. Moyen mnémotechnique, hein. Juste là. Beaucoup de doigts. Mais arrêtez avec dans le boule. Les doigts, ça sert pas qu'à ça. Être très habile de ses mains, c'est avoir des doigts de pianiste, d'orfèvre ou de fée. Ah, j'aurais dit de fée. Mais c'est peut-être de pianiste. Ça peut être d'orfèvre. Je consulte l'avis du public. Que dit le public? Mettre deux doigts, c'est plus fou, d'accord? La déclaration des doigts de l'homme. D'accord. À deux doigts, bien sûr, tu vomis beaucoup mieux. De fait. Bon. Ah, un petit orfèvre de Jace. Les doigts de fée, tu dois tâche de fée. De fée, hein, moi aussi j'aurais dit de fée. Hein. Alors, laquelle de ces expressions exprime le regret? À s'en lécher les doigts, faire un doigt d'honneur,
ou sans mordre les doigts? Sans mordre les doigts, hein, bah oui. Si, sans mordre les doigts. Lorsqu'on est pris en flagrant délit de malversation financière, on est ou en train de voler dans la caisse, on dit familièrement qu'on est pris les doigts dans le pot de confiture, dans le porte-monnaie, dans le plat. Alors là, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Alors j'imagine que c'est le pot de confiture, mais j'ai jamais entendu ça. Quelqu'un a déjà dit « Oh, bien joué, tu m'as pris les doigts dans le pot de confiture !» Personne n'a dit ça. Qui a déjà dit ça? Je te dis ça, Cahuzac. Ouais, Cahuzac, il a dû le dire, je pense. À un moment donné, on est en train de vendre des écrans sur le bon coin. Les doigts dans la chatte à ta mère, easy. C'est vrai que ma mère, elle a un chat en plus. Et tu as raison, c'est une femelle. Dans la confiture, ouais, bah, ça va rien dire, personne dit ça. Le pot de la confiture, qu'il pique tous les jours dans le pot de Kevin Kline. Porte-monnaie. Les doigts dans le porte-monnaie. Non, les doigts dans le porte-monnaie. Tu m'as pris les doigts dans le porte-monnaie. Ah, c'est possible, ça peut être le porte-monnaie. Ah, pot de confiture, tocard. J'aime bien le tocard. Se soumettre ou exécuter servilement un ordre, c'est obéir au doigt et à l'œil, ben oui. Le petit doigt sur la couture du pantalon, ça c'est des trucs bizarres. Très vulgairement, se mettre au travail, c'est mettre le doigt à la pâte, se sortir les doigts du cul. Ah ben voilà, ils l'ont placé quand même. Hein. Mettre les doigts dans le cambouis, non, c'est les doigts du yonf. Quelle expression signifie très facilement? On a claquement de doigts. Les doigts dans les... Ou les deux. Ah, il y a un piège. Ah. Non, un claquement de doigts, ça veut dire rapide. Ça veut pas dire facile. Mais en même temps, si tu vas rapide, c'est que t'es facile, quelque part. Bah voilà, le mec. Je pense que je vais être dans le nez. Attention, on vise le 100%. On vise le 100%. Combien? Ah, 80%, putain, 80%. Ah là 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 là. Et le RER. Soirée des doigts. Bon, je pense qu'on a le temps pour un dernier, hein, mais vite fait. Après, faut y aller, hein, les gars. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Géographie, tiens, la géographie. On va apprendre des trucs. Trouver le pays ou les habitants. Ah bah voilà. Dans quel pays pouvez-vous rencontrer une Amsterdamoise? Ah, c'est le port d'Amsterdam. C'est pour ça qu'ils ont mis Jacques Brel. Donc ça doit être aux Pays-Bas. Dans ce pays, vous pouvez tomber sur un Osakaï. Le Japon. Ça doit être le Japon, ça. Si vous rencontrez une Stambouliste, peut-être vous offrirez son célèbre café. Oui, c'est en Turquie, Istanbul. Alors, serrez la main d'un Émirati. Vous êtes arrivé, pas aux Émirats. Venez saluer un Capétonien et visiter Capleton. C'est en Jamaïque, ça, non? C'est, je sais plus. Passez donc dire un bonjour à un Benoît. C'est en Allemagne, ça. Venez rendre une visite à un Canbérien, habitant de l'Australie, bien sûr. Tout le monde sait ça. Rihanna a profité d'un séjour au carnaval pour saluer les Bridgestoniens et les Bridgestoniennes. Bridgestone, c'est où ça? C'est à la Baobab? Moi, c'est à la Baobab. Venez dans ce petit pays, vous pourrez discuter avec des cotonoises. Cotonou. C'est où Cotonou? Cotonou, c'est où? C'est où? Fiston. C'est où? Fiston, la VOD de ce stream. Ah putain, c'est où Cotonou? C'est au Gabon.
République Dominicaine, non. J'hésite entre Bénin et Gabon. Gabondorf. Ah, ça doit être le Bénin parce qu'il a mis un bobo qui fait pas mal, un bobo Bénin. Qui pouvez-vous rencontrer au Brésil? Un pauliste, un méringue, un capverdien. Ah non, c'est un pauliste. Hein. Où pouvez-vous saluer les campuchéennes? Voilà, ça a d'être l'Équateur. Quels habitants peuplent l'île de Pâques? Les œufs. Oh, les mecs ont de l'humour. Les mecs ont de l'humour. J'avoue. Les pascuants, les pocassants. Ah, on ne paye pas pour les pocassants. Non, ça doit être les pascuants. Quel est le nom des habitants de la capitale de l'Union des Comores? Représente la mafia des Comores, pour ceux qui croyaient qu'on était mort. Voilà. Daddy Mamadi, avec la famille, c'est chaud. grand rappeur, hein. Alors, les Moronais, les Moronis. Ah, c'est les Moronis. Où pouvez-vous trouver des Obokois? Oh là là, ça a l'air d'être où, ça? Ça a l'air d'être à Djibouti, hein. Alors, faisons à présent la connaissance des habitants d'une capitale. Les Quiténiens. Pour leur dire bonjour, il ne faut pas manquer d'air. C'est les Guador. Pourquoi il ne faut pas manquer d'air? C'est quoi la blague? Il ne faut pas manquer d'air. Pourquoi c'est bon? J'ai pas compris la blague. Nous terminerons notre périple par les habitants d'une ville d'un magnifique pays, encore à peu près préservé. Les ports gentillés. Oh là 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 là. Oh, je dirais que c'est au Kenya, au pif total. Ah, quoi que ça peut être le Cameroun ou le Gabon. Je ne sais pas. Mais qui quittait Dieu. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, pour la dernière, je sais pas, qu'est-ce que vous disiez? Attends, je suis sûr que c'est à cette question qu'on va avoir le 100% ou pas. Hein. Les ports gentillés, c'est où? Ah, le mec, il est avec la Bolivie, lui. C'est en montagne altitude, la Bolivie. Bolivie, c'est en montagne. Ah ouais. C'est en montagne, d'où le manqué d'air, c'est ça la blague. Les gros ports gentillés, les ports antillais, toca. Qu'est-ce que... Les ports... Mais c'est quoi les ports antillais, c'est où? C'est au Kenya, au Gabon, au Cameroun? Cameroun, nous dit Uchiwa Naruto. Bon, allez, je vais te suivre, le Cameroun. Attention, attends, le 100%. Ah, 81%, oh là là là. Waouh, tu te surpasses là. Oh, ouais, je sais pas. Putain, il y a 619 joueurs qui ont eu 100%. Bon, ben voilà, c'est la fin de ce magnifique stream guac à sable. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi, viernes ou venerdì ou Friday encore. Et sûrement, j'espère qu'on aura récupéré la connexion, le matos qui va bien. Et que bah, qu'on sera vivant déjà, on sait jamais, on peut mourir tout à l'heure. Hein. Donc bah, bon appétit tout le monde. Et à bientôt. Hein. Moi je vais tâcher de ne pas rater mon RER. Quand même. Bah des bisous, hein, le salam. Hein, et à bientôt les frères. J'espère que vous avez appris des choses, hein, à défaut d'avoir passé un bon moment. Strip de l'année, remboursé. Je vais balancer quelques pubs quand même avant de partir, parce qu'à moi, on me baisse pas la gueule. Et bah n'hésitez pas à laisser tourner, hein, c'est pour la mosquée de Vitry, comme vous savez. Bon, bah à bientôt et des bisous, hein, le salam, le shalom, tout ça. Hein. Au revoir.